Bonjour à toutes et toutes, et excusez-nous d'abord puisqu'il est 21h15, quelques petits soucis techniques, comme on vous le disait en animation, Nathalie à la modération. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Donc ce soir, on va parler de l'aménagement de la classe, de trouver des astuces et des idées et réfléchir ensemble, répondre à vos questions. Moi, je suis professeure des écoles et maîtresse d'accueil temporaire. Et ce soir, avec Stéphane, on va faire en sorte que vous ayez plein d'astuces et que vous ayez plein d'idées pour aménager votre classe. Mais Sarah, tout le monde te connaît, toi. Tu es notre star. Et d'ailleurs, tu as déjà commencé à parler de l'aménagement de la classe dans un tuto qui vient de passer. Moi, Stéphane, je me présente. Contrairement à Sarah, je ferai un peu le candidat puisque je ne suis pas prof. Je fais partie de la team de l'ombre d'être prof avec d'autres en train de préparer tout ça. Ce soir, avec vous pour animer ce live. Ce live étant pour les nouvelles qui nous rejoignent ce soir. Étant un espace et un temps d'échange très interactif, donc à tout moment, on vous le redit encore ce soir, merci à vous d'être présents, à tout moment vous pouvez poser vos questions, partager vos astuces et conseils, on le dira souvent. Bonjour à Maestra et Elodie qui sont avec nous de ce que je vois sur le chat, sûrement d'autres nous ont rejoints, encore désolé pour ce petit retard. Donc ce soir, tu l'as dit Sarah, on va parler aménagement de la classe. Pas de Valérie Damido, pas de Stéphane Plaza, puisque c'est pas un sujet logistique en réalité. On se le dit, on se le répétera tout le temps, tout au long de ce live. Sujet de fond, sujet qui ramène à la vision de sa pédagogie, de sa gestion de classe. Autant de sujets qu'on va aborder ce soir avec le cocktail habituel d'inspiration, de partage, de petits trucs et astuces et de questions-réponses ensemble. Pour lancer ce partage et cet appel à la communauté, on va commencer par un petit sondage, Sarah. Exactement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de voir, avant de commencer à discuter, parmi les quatre plans de classe qu'on va vous montrer, lequel est le vôtre actuellement. Vous êtes parti sur plutôt quel plan de classe? Donc le A, le B, le C ou le D? Ils apparaissent à l'écran à l'instant. Donc on a des salles assez caractéristiques de plan de classe. Je ne sais pas où on en est, je regarde côté technique. Parce que du coup, c'est ce qu'on trouve assez classiquement. Après, il peut y avoir d'autres aménagements, mais c'est vrai que ce sont des plans de classe qu'on trouve assez classiquement. Parmi ces quatre, lequel est celui que vous avez adopté, que vous allez adopter? Et pour partir de là, et pour voir d'où vous partez, et après justement, quelles sont vos questions pour peut-être faire autrement. Et quel serait l'intérêt de faire autrement? Ce petit sondage pour démarrer. Et pendant que vous regardez tout, que vous répondez, qu'on regarde un petit peu vos réponses, je vais te demander, toi Sarah, comment tu vois justement cette question d'aménagement de la classe? Pour toi, ça fait appel à quels enjeux et quelles questions? En fait, à chaque fois, la façon d'aménager la classe va complètement différer. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un objectif précis et que je veux donner une consigne claire aux enfants, qui m'écoutent tous, il faut qu'ils soient tournés vers moi, il faut qu'il y ait un certain aménagement. Mais si par exemple je veux qu'ils discutent entre eux et qu'il y ait des interactions, si c'est par deux, je vais aménager d'une certaine manière où il n'y a pas besoin de bouger. Mais si par contre j'ai besoin que ça soit entre eux qui développent des choses et qu'ils évoluent, qu'ils aient des niveaux différents, donc par exemple sur un projet d'écriture, ce qui va être très intéressant, c'est d'avoir des enfants qui ont des niveaux très différents. Comme ça, il y a ceux qui ont les idées, c'est pas forcément ceux qui savent le mieux écrire en orthographe ou faire, mais par contre, il y a ceux qui ont les idées. Il y a ceux qui sont super organisés, qui disent moi je vais prendre la feuille, j'écris, on souligne, là ça c'est un titre, on change d'eux. C'est un autre type d'intelligence et de personnalité. Il y a ceux donc qui vont écrire au niveau de l'orthographe, ah non, ça s'écrit pas comme ça, etc. Et puis il y a ceux qui savent pas trop comment se situer cette fois-là, mais de regarder les autres fonctionner et de voir comment ça marche, ils vont se dire ah ouais, et pour une autre fois, ils vont l'apprendre. Et plutôt que ça soit de la théorie, entre eux, ils deviennent les inspirateurs les uns des autres. Donc à ce moment-là, je ne peux pas du tout être dans le plan de classe que j'avais au départ. Et voilà, et selon les moments de la classe, l'aménagement de la classe va être primordial pour que ma séance, elle marche. Donc pour toi, une des bases de fait, tu viens de nous les donner, c'est d'être modulable. Voilà, ouais, exactement. C'est un des conseils clés qu'on va se répéter. C'est la façon de moduler en fonction de tes temps, de tes priorités et du rythme des élèves.
Alors, je vois, on commence directement dans les questions, et je ne sais pas si on aura tir autour sondage, mais Maestra, alors, a des questions sur l'affichage, comment organiser l'affichage, et si, selon toi, on peut faire un point lecture au cycle 3. Oui, alors tout à fait, effectivement, au cycle 3, c'est génial, comme à n'importe quel âge, et je dirais même encore plus, il va falloir être vigilant, parce que en maternelle, on essaye de les intéresser à l'écrit, et à ce que c'est qu'un objet livre, aux images, etc. Donc on va en avoir un. En cycle 2, on va le faire parce qu'on apprend à lire, à écrire. C'est vraiment le cycle où on va apprendre. Donc on va donner une place importante à la lecture dans la classe. Et du coup, en cycle 3, on pourrait se dire « Oh bah c'est pas grave, maintenant ils savent écrire, ils savent lire. » Mais c'est pas vrai, il faut l'entretenir. Il faut avoir ce coin parce que pour plein de raisons dans la classe, soit pour occuper quand ils ont terminé déjà, il y en a qui ont fini avant, mais ça ne demande pas plein de préparation de dire à un élève d'aller dans le coin de bibliothèque et de prendre un livre tranquillement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on leur demande à chaque fois de lire un texte, de répondre à des questions, d'écrire ça, et on les dirige souvent. Donc, qu'il y ait aussi de la lecture qui soit offerte, qui soit décidée, qui soit selon leur plaisir, qu'ils puissent aussi juste feuilleter les livres, c'est aussi très important pour qu'ils gardent le plaisir des mots et de la lecture. Donc, tout à fait, et même plus tard, même dans le secondaire, ce coin liberté-lecture, c'est intéressant à avoir, quoi. Merci beaucoup, j'espère que Maestra, ça répond à tes questions. Alors, petite intervention pour la technique, apparemment on a diffusé que l'image A, donc pour choisir entre les quatre, il faudra pouvoir, et on va vous passer les trois autres configurations B, C et D, pour que vous puissiez nous répondre sur quelle est selon vous la bonne configuration, en tout cas pour vous et celle que vous utilisez. Bonsoir Alice qui nous a rejoint entre temps, Elodie qui était là dès le début et qui nous avait posé la question une question de base pour tout PES, c'est quelle configuration tu conseillerais pour débuter, notamment pour elle qui est en cycle 1 apparemment. D'accord. Eh bien, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, il y a une configuration pour débuter, mais c'est celle avec laquelle tu vas être la plus à l'aise. Et si tu es très à l'aise avec le fait de faire quelque chose de classique, alors si tu es en cycle 1, bah, tu vas voir en maternelle, la plupart du temps, les classes se ressemblent beaucoup. Il y a des coins dont on va parler tout à l'heure, on vous montrera des images, il y a des coins qu'on retrouve et il y a une raison pour ça en fait. Et du coup, tu peux utiliser les coins que tu trouves dans l'école dans laquelle tu vas être. Tu demandes à tes collègues, etc. Ça, c'est le point de départ, quelque chose avec lequel tu es à l'aise et si tu ne sais pas trop, tu peux aussi t'inspirer de ce que font tes collègues. Et puis après, là, ce soir, ce qui va être intéressant, c'est qu'on te donne des billes pour réfléchir par toi-même et te dire, une fois que je serai un peu plus à l'aise, eh ben, je vais pouvoir faire évoluer des choses, un petit bout par là, un petit bout par là, ou carrément tout. Ça, c'est toi qui vas décider du coup. Hein, mais la première configuration, celle dans laquelle tu es à l'aise, et si c'est en maternelle, on en parlera après plus précisément, j'ai des choses à te montrer, des visuels à te montrer. Ben justement, on peut débuter, j'espère qu'Elodie, ça répond à tes questions, mais en effet, tout au long de ce live, on va dérouler. Si vous nous rejoignez entre-temps, bonsoir Linda qui vient de nous rejoindre et les autres, on est bien dans le live sur Être Prof, aménagement de la classe. Sarah, quelques premiers apports d'espace type, notamment en classe maternelle. Oui, alors dans la classe maternelle, il y a plein de coins et d'espaces qu'on trouve. Un coin qui est primordial et qu'on perd parfois, souvent, la plupart du temps, donc ça c'est le coin regroupement, qu'on va perdre parfois en primaire, donc c'est la 9, le coin regroupement. Ce qui est très intéressant avec le coin regroupement, c'est que c'est un coin où dès qu'on arrive dans la classe, on n'a rien à dire. Il y a voilà, en fait, l'aménagement, ce qu'il va falloir retenir, c'est que finalement, c'est comme un langage, c'est un peu muet. C'est-à-dire que la façon dont la classe est disposée permet de dire aux élèves ce qu'on attend d'eux et ce qu'on va y faire. Donc, quand on arrive, on voit un coin regroupement, les bancs, les chaises sont installées face à l'enseignant, soit on fait un carré, soit on fait un U, et on est ensemble et tout le monde peut se regarder. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va communiquer, on va se regrouper, et ici on va passer des moments conviviaux. Ce coin, il est très clair, et on le trouve dans toutes les maternelles. Après, moi ça m'est arrivé, où j'ai eu des collègues de le faire en élémentaire aussi. Mais, alors ça dépend toujours de la taille des salles, hein, bien sûr. Mais ça c'est génial, un coin qu'on peut retrouver partout, c'est un petit coin convivial,
dans lequel on peut donner des consignes, on peut échanger, on peut se parler, on peut demander ce que chacun en pense. Et du coup, ça se retrouve par exemple en séance de sport. On ne va pas emmener nos bancs, mais quand on commence une séance de sport, dans l'immense gymnase qui des fois résonne, etc., donc on se trouve un coin où ça ne résonne pas, et on prend comme habitude de s'installer en coin regroupement mais mobile, pour pouvoir à chaque fois donner la nouvelle consigne. On part faire l'activité, on revient, on fait un bilan, ça s'est bien passé, non, qu'est-ce qu'on modifie, exercice 2 ou activité 2. Toujours dans le même coin. Voilà, et ça fait un repère en fait. Donc que ça soit dans la classe, ou là je vais un peu plus loin, mais dans, si on fait une visite de musée, c'est le coin où on se retrouve pour parler de la visite et à chaque fois on va se retrouver. Si on va faire du sport, ici notre petit coin regroupement, il va être mobile en fait. Hein. Voilà. Mais ça, c'est un point qu'on retrouve un peu partout et qu'on peut retrouver à n'importe quel âge. Parfait. Et pendant, alors là, je vais décrocher, mais c'est important notamment pour Lise. C'est vrai qu'on ne l'a pas spécifié dès le début de ce live. La question, on en parle de l'élémentaire, on parle de différents niveaux. La question du secondaire, là, en l'occurrence, lycée, c'est pour un lycée pro. Est-ce que tous ces conseils, quelle est la partie qui est valable, quelle est la partie qui est caduque parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes âges? Est-ce que déjà tu peux donner comme base, selon toi, tes conseils sur le secondaire? Ouais. Ben, c'est-à-dire que dans le secondaire, c'est la même chose, on a pris un petit peu l'habitude d'avoir une distance parce que les jeunes ils sont dans une période où ils prennent un peu de distance par rapport à l'adulte, même si voilà, ça se fait pas d'aimer son prof ou de le trouver génial, c'est assez rare, ou ça peut arriver, mais il y a une certaine pudeur qui s'installe. Donc on aurait tendance à se dire il faut mettre une distance et les salles ont tendance à témoigner de cette distance. Or, quand on regarde les salles les salles d'art plastique dans lesquelles les enfants sont regroupés, c'est aussi dans le secondaire et ça se passe très bien, il y a plein d'échanges et ça permet justement, plus les élèves ont besoin d'interaction et plus on a besoin de mettre en place une pédagogie particulière parce que les élèves ont des difficultés et plus l'aménagement de la classe va être très important. On peut se permettre avec une classe qui roule très bien de les mettre tous face au tableau et aucune interaction, ça marchera quand même, mais on perdra une forte dimension de la classe. Alors que si on s'en occupe, quel que soit l'âge, d'avoir ce principe par exemple de se regrouper à un moment, à un endroit, ça facilite les relations. Et si on est en confiance avec son prof, on peut lui dire quand on a des difficultés, on peut parler devant les autres et on ne cherche pas à cacher ses erreurs et on va plus vite à travailler et on n'est pas dans l'insolence, dans des comportements parasites parce que tout simplement on ne peut pas être dans le travail, on ne s'y sent pas bien. Donc l'aménagement, quel que soit le niveau, l'âge et la configuration et la matière, va être très importante. C'est la façon d'être les uns avec les autres en fait. Et en effet, et même si pour certaines classes, l'aménagement va être moins important, il est important et qu'il faut l'adapter à chaque situation, il est important de rappeler qu'il est prouvé. Nathalie pourra transmettre des ressources qui ont servi à préparer ce live, qui sont sur Être Prof, que l'étude la plus documentée, qui est une étude anglaise, montre que un bon aménagement de la classe adapté à l'enseignant et aux élèves peut faire monter jusqu'à 16% la progression des élèves et les notes des élèves et le climat de classe. Donc il est certain qu'il faut arriver à travailler cela, mais à travailler ses propres réponses. Justement, ses propres réponses. Tout à l'heure, il y avait un petit sondage entre A, B, C, D, des configurations totalement différentes. Maestra, C ou D. Et donc, quelle place du tableau? Question intéressante sur la configuration D, qui est une configuration moins connue que la configuration des îlots ou celle plus traditionnelle ou celle plus aux classes maternelles dont tu viens de parler. Sur où est le tableau? Sur la D, il y en a deux en fait. C'est une configuration où il y a un tableau sur le côté et un autre. Et en fait, c'est une configuration qu'on peut souvent voir en double niveau. Ou quand on a deux groupes différents et qu'à un moment donné, on veut un peu séparer les groupes et montrer que ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est avec tel groupe et voici leur consigne. Et donc, on leur identifie un tableau et de l'autre côté, un autre tableau. Mais en fait, cette façon de travailler, en fait, on pourrait à un moment donné, dans sa classe, se dire il y a une partie de la classe qui travaille sur un projet et une partie de la classe qui travaille sur un autre. C'est-à-dire que artificiellement, si on ne nous a pas imposé deux groupes différents, on peut se dire
on a le même projet, je ne sais pas si par exemple on fait un blog, et il y en a certains qui vont faire une partie des articles et les autres qui vont faire des reportages vidéo. Et dans ce cas-là, ça sera intéressant de leur proposer un aménagement différent et d'avoir un support visuel, un support de communication, parce que le tableau il sert à ça, hein, c'est comme un lieu de rencontre. On vient dire, laisser la trace de ce qu'on est en train de construire, on laisse les consignes, et donc d'avoir deux tableaux différents, ça peut vraiment servir, pas seulement quand ça nous est imposé. Et question très logistique, mais la logistique est importante aussi, à travers la réaction de Clélou, qui aurait l'idéal du C, mais étant dans un choix pragmatique du A ou du B, par manque de place, et des bureaux lourds à déplacer. Donc, par rapport, si on se remémore le tuto, la difficulté de bouger rapidement des bureaux très lourds, là, il y a peu un coup. Ben c'est ça, il y a des contraintes. Hein. C'est vrai que dans l'idéal, on pourrait s'étaler comme dans le C, on aurait plein de place pour circuler autour. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, les salles peuvent être petites. Alors, un des enjeux, c'est essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des meubles dont je peux me passer pour essayer de dégager de la place. Là, j'entendais dans une des ressources que Nathalie pourra vous faire passer de France Inter, une petite interview, les enfants eux-mêmes parlaient à un moment donné de la classe du futur. Et dans cette classe, le bureau du maître, c'est une toute petite table bleue comme la table des élèves, parce que déjà, il n'y est pas souvent assis. Et du coup, elle ne prend pas beaucoup de place et si on a besoin, on peut la bouger. Donc déjà, peut-être réfléchir à ce qu'il n'y a pas des meubles, avant justement que ça commence, dont je pourrais me passer ou qui pourraient être plus petits. La deuxième chose aussi, c'est que ça peut être symbolique, l'aménagement de la classe. C'est-à-dire que si on ne peut pas bouger les meubles, et ben on peut bouger les élèves, on peut bouger les gens. Et dire à un moment donné, les tables sont posées, nous on ne peut pas les bouger, mais en s'organisant, c'est comme dans le tuto, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'improviser ça. Hein. Il y a un travail de préparation, il y a des règles et un cadre vraiment à poser qui doit être très clair, avec des consignes où tout est explicité, et dire là, on va se déplacer et on va, c'est pour ça quand j'avais mis les numéros de table, et on prépare des groupes et dire, il y a un groupe qui va travailler sur un exposé ou sur préparer un devoir en commun ou qui ont à faire une correction, même individuelle, mais il faut qu'ils soient dans cette partie de la classe, même s'ils ne travaillent pas ensemble. Et les enfants que j'appelle, vous allez vous placer à la table 1. Les enfants un tel, vous allez vous placer à la table 2. Un tel à table 3, et ça permet de le faire dans un temps rapide s'il y a les repères. Comme ça, ils entendent leur nom, parce qu'eux, ils sont très centrés sur eux, hein, les enfants, vous parlez pour tout le monde, mais eux, ils sont centrés sur eux, il leur faut l'information pour eux. Moi, je fais quoi? Alors moi, c'est un tel, ok, et je vais à la table 2. Eh bien, j'y vais. Quand mon information est claire, on peut faire bouger les élèves, et il n'y a pas forcément d'agitation, et voilà. Parfait. Question précise aussi. On va côté cycle 3. Maestra, elle voudrait faire un coin jeu, par exemple proposer une table pour faire un puzzle et bien d'autres jeux. Qu'est-ce qu'on pense? Ah, mais génial. Mais c'est-à-dire que tout ce qui va apporter de la convivialité, quand on rentre dans sa salle de classe et qu'on a plaisir à se dire « Ah tiens, je vais pouvoir faire ça. Ah tiens, il y a ça qui est possible dans les activités. » Déjà, ça fait du bien, ça donne envie. Et puis, ça va motiver. Donc, par exemple, là, quand même, la règle, c'est un endroit où on vient travailler. Donc, aller jouer, à moins que ce soit un jeu pédagogique ou qu'il y ait derrière une consigne qui fasse travailler quelque chose, c'est de dire, vous êtes responsable de votre temps et de l'efficacité de votre travail. Bien sûr que vous pourrez y aller. Vous avez vu, j'ai installé dans la classe un coin jeu. J'ai prévu que certains d'entre vous, à des moments, auraient besoin de se détendre avant de passer à une autre activité. Et pour ça, votre responsabilité, c'est d'avoir bien fini votre travail, bien fait ce qu'on avait demandé. On aura vu ensemble les consignes et les critères de réussite. Et une fois que c'est fait, vous pourrez, et là tu vas déterminer les règles de circulation, soit c'est toi qui donnes des cartes individuelles, soit c'est toi qui dis quand vous avez fini, parce que tu as déjà commencé à connaître tes élèves et à savoir ceux qui, quand ils ont bien travaillé, tu peux compter sur eux, c'est bon, c'est pas fait en vitesse et dit j'ai fini, j'y vais. Ah, donc ça, tu vas apprendre à connaître tes élèves. Et du coup, en posant ces règles-là, tu vas beaucoup motiver tes élèves. Il y en a plein qui ne seraient pas forcément motivés par les apprentissages pédagogiques, mais de savoir que quand ils ont fini, ils peuvent aller jouer, ça va les motiver, ça va te faire gagner de l'énergie, en fait. Et sachant qu'on n'élude aucune question, qu'on les a gardées toutes en tête, donc celle de Maestra, en l'occurrence, qui était posée même, je crois, dans le temps d'attente au début, à l'issue des évaluations,
Est-ce que selon toi, on peut regrouper des CM1 et des CM2? Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que finalement, tu es en train d'utiliser, tu vois, de se dire, j'évalue, j'ai en tête leur niveau, je sais où ils en sont, et en fonction de ça, je vais les placer, les regrouper, les séparer, faire des choses. Donc c'est génial, c'est à ça que ça sert l'aménagement, c'est de se dire, comment je mets la salle et les meubles à mon service. Je suis la pédagogue, je viens faire apprendre, les élèves ont des obstacles, des barrages à un moment donné. Qu'est-ce qui va nous faciliter l'apprentissage? Et du coup, bah oui, tu peux les regrouper, tu peux même faire par vrai niveau, c'est-à-dire qu'ils sont théoriquement en CM1 et CM2. Le programme est très proche, puisqu'ils ont 3 ans, hein, CM1, CM2 et 6e, pour apprendre tout ça. Et je pense à des notions, par exemple, comme les nombres décimaux ou les fractions, c'est quelque chose de très compliqué. Et même les CM1 qui l'ont vu, même les CM2 qui l'ont vu l'année dernière en CM1 une fois, quand tu vas retravailler dessus, il est évident qu'ils ont quasiment tout oublié, pour la plupart. Et tu vas avoir l'impression de recommencer simplement, ça ira un peu plus vite avec tes CM2 qui l'ont déjà quand même un peu vu, qu'avec tes CM1 qui vont le découvrir. Donc du coup, à des moments, tu vas plutôt que de placer les CM1 d'un côté et les CM2 de l'autre, tu vas plutôt les mélanger par besoin. Il y a ceux qui ont besoin de complètement retravailler parce que ça, ils n'avaient pas compris ce qui était derrière, la notion de partage, etc. C'est pas clair pour eux que diviser, c'est découper, que c'est fractionner, pour eux, c'est pas clair. Ben, ce groupe-là, je vais travailler avec eux, ils en ont besoin. Et peu importe qu'ils soient CM1 ou CM2, tu vas pouvoir utiliser ton aménagement par rapport aux résultats de tes évaluations. Voilà, et pas que en début d'année. Et là, cette question précise et ta recommandation, on voit bien tout l'enjeu de aménagement égale quelle est ta pédagogie, ta façon de gérer la classe. Là, une question plus fonctionnelle de Clélou, mais au ton décisive. Est-ce que selon toi, ça va si les enfants sont de biais par rapport à notre ami le tableau? Et bien voilà, c'est dans l'idée d'être modulaire, ça va dépendre de ce que tu fais. Si tu dois recopier au tableau, et bien ça dépend de l'âge, il faut qu'ils se tiennent bien, qu'ils se tiennent droit, tu regardes la position, c'est mieux qu'ils soient en face. Maintenant, ils peuvent être de côté, moi j'ai toujours dans mes classes une partie sur le côté, et si je peux, tu vois, quand les tables sont posées comme ça, et bien je les mets un peu en biais comme ça, au lieu d'être perpendiculaire, hein, et que les enfants ici soient complètement sur le côté, avoir à tourner la tête toute la journée comme ça, je décale la table comme ça. Là, ceux qui sont là, ils sont un peu en biais, mais pas complètement tordus. Et puis les autres sont quasiment en face. Donc tu vois, tu peux, c'est possible, voilà. Il n'y a pas de souci. Et par rapport à la discussion et la recommandation de tout à l'heure et la réponse à Maestra, qui émet un doute sur, là par exemple, sur l'histoire, par rapport à l'écart par rapport au programme, entre les CM1 et les CM2. Donc il faudra les changer de place selon les matières. Non, pas forcément. Si tu leur dis à un moment donné que là tu t'adresses au CM1 et qu'ils sont à leur place, moi quand je fais mon CM1, CM2, je fais ça, ils sont chacun à leur place. Et si c'est un travail en commun, je parle à tous et j'ai des couleurs sur le tableau qui me permettent de dire ça c'est pour tout le monde. Et si je ne m'adresse qu'au CM1, par exemple si je fais une dictée ou en histoire quand tu vas traiter un sujet différent, tu vas le faire à un moment différent et tu vas dire ici je m'adresse au CM1, j'écris de la couleur que j'utilise pour les CM1 et ils peuvent être à leur place et pour autant mélanger avec des CM2 et entendre et être attentif. Du coup, tu les entraînes aussi à être attentifs. Ça va dépendre aussi de comment répond ton groupe. Si tu vois que certains sont perdus et que ça ne marche pas, qu'il vaut mieux qu'ils soient physiquement tous les CM1 ensemble pour plus regarder sur le voisin, ah oui, on fait quoi, on en est où, on sort quoi, tu le feras avec ceux qui en ont besoin. Ou l'autre astuce, c'est de mettre à côté d'eux un voisin qui sait où il en est, comme ça tu sais qu'ils peuvent et tu leur dis, tu l'aides un peu à savoir comment on suit, où on en est, ce qu'on doit sortir comme cahier. Tu vois, ça va vraiment dépendre aussi de comment répond ton groupe. Mais les deux sont possibles. Moi, quand je faisais les dictées, par exemple CM1 et CM2, je ne faisais pas la même, mais je faisais même en calcul mental. Hein. Je disais CM1 et je dis CM2 et je dis. Alors c'est sûr que sur le calcul mental c'est assez rapide. Sur l'histoire, si tu fais une leçon entière, à ce moment-là tu vas proposer quelque chose en autonomie à l'autre groupe et du coup ils savent que tu t'adresses pas à eux, quoi. Ils peuvent rester dans leur travail. On peut revenir, Sarah, sur l'espace type dont on parlait. On a quelques photos à dérouler à partir d'un exemple d'une classe de maternelle. Voilà. Donc, je te laisse présenter un petit peu et interagir avec vos questions, réactions.
par rapport à cet espace qui, en l'occurrence, est en maternelle, mais avec des questions qui sont posées qui sont valables pour les autres niveaux. Tout à fait. Du coup, je voulais vous parler d'une classe de maternelle, parce que quand j'ai démarré, j'ai observé beaucoup de choses en maternelle que je n'ai pas forcément retrouvées en primaire ou même dans le secondaire. Et je me suis toujours dit, mais c'est génial ce que le prof de maternelle arrive à faire et comment il arrive à rendre ses élèves autonomes grâce à l'espace. Et je voyais des petits bouts de choux de 4 ans, 4-5 ans qui ils avaient fini leur travail, ils savaient qu'ils amenaient leur cahier, qu'ils tamponnaient leur nom, qu'ils écrivaient leur nom, ils mettaient dans leur casier et ils passaient au coin jeu. Et je me dis, moi j'ai des élèves, même des grands, des CF2, qui me disent, mais maîtresse, je fais quoi après? Et je me dis, c'est fou comme l'aménagement et les meubles et de bien donner des règles à chaque endroit et les habitudes de travail rendent les enfants super autonomes et permettent de faire plein de choses. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder trois coins en particulier, trois espaces qu'on trouve classiquement dans les classes de maternelle et dont on peut s'inspirer à tous les niveaux. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé de travailler avec des adultes et de faire de la formation et j'ai utilisé exactement ces choses que j'avais trouvées en me disant je vais les accueillir, je vais faire des choses que j'ai piquées de la classe de maternelle. Donc, la première diapo, c'est le coin de regroupement en U dont on a parlé un peu tout à l'heure. On va juste la regarder rapidement, c'est la 9. Et du coup, sur cette première diapo, ce que vous pouvez voir, l'intérêt, c'est un endroit pour communiquer tous ensemble et interagir. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure pour les consignes, les moments de correction, les moments de bilan. Et quand vous voulez leur attention vraiment, se faire une configuration, soit symboliquement, on regarde là où j'écris à cet endroit-là, quand c'est des choses à retenir, ça va aider les élèves. Si c'est dans la classe et qu'on a une classe assez grande, eh ben, on se laisse carrément à un endroit, ça peut être des bancs, ça peut être des coussins. Là, on peut aussi faire appel aux parents. Vous savez, souvent, on se dit on est limité, on n'a pas beaucoup de moyens. Eh ben, les parents, ils sont super ravis, c'est leurs enfants, quoi. Ils sont ravis de pouvoir contribuer, d'apporter un canapé ou un coussin dont ils ne servent plus, de récupérer des choses aux encombrants et d'aménager aussi, de participer à la vie des élèves, du coup. Utilisez les forces vives que vous avez autour, parce qu'effectivement, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. Mais ça, c'est une astuce, aménager un beau coin, bibliothèque ou en U pour le regroupement, vous pouvez aussi utiliser la récup et les parents, ils vont vous aider. Super. Un deuxième. Alors, le coin de bibliothèque, ça, c'est pareil, c'est, je ne sais plus si c'était Maestra qui demandait en cycle 3 si on peut en mettre un. Le coin bibliothèque, il va être très très important parce que, ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu c'est de continuer à faire aimer les mots, la lecture, parce qu'on commence à les décortiquer partout, complément circonstanciel, impératif, présent, hein. On peut perdre le plaisir des histoires qu'on lisait, qu'on écoutait quand on était jeune, donc il faut toujours laisser ça. Et puis après, moi je m'en sers par exemple, le coin bibliothèque c'est aussi un vrai coin de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien le participe passé en théorie, mais après le défi, c'est d'aller chercher, moi je leur lance ce défi, dans la bibliothèque, dans un vrai livre qui existe, qui n'est pas un manuel et qui a été fait par des gens qui ne savaient même pas que je dirais ça aujourd'hui, je vous donne la mission d'aller trouver un paragraphe qui est écrit principalement au passé composé. Comme ça, on va voir si vous avez vraiment compris ce que c'était le passé composé. Est-ce que vous savez le retrouver ou pas? Et du coup, ils vont regarder dans les livres, ils vont chercher, ils se posent des questions entre eux, ils viennent me demander, ils se posent les vraies questions. Et derrière sur la leçon, mais c'est quoi au fait ce passé composé? C'est pas juste dans les exercices. Et là, j'utilise vraiment le coin bibliothèque. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'après, on voit entre eux, les enfants qui disent « Ah ouais, dans celui-là, tu vas voir, il y en a, etc. » Ils s'entraident, donc c'est bien parce que moi, j'ai gagné. Je me dis, ils sont en train de comprendre et d'apprendre ce que c'est, beaucoup plus que si je ravage 10 fois la leçon et ils s'approprient et les exercices. En plus, voilà. Ils s'approprient le coin de bibliothèque, les livres. C'est ça. Et ça a du sens. Par exemple, le présent, si j'ai derrière la tête, le présent, si je leur demande d'aller chercher un livre au présent, ça va être où je prends l'infinitif, par exemple. Donc, ils vont chercher dans les livres de recettes. Ou alors dans les livres où il y a des instructions et des choses à faire. Si je leur demande quelque chose au passé simple, dans ma tête, je sais qu'ils vont aller rapidement, ils vont explorer au début, ils vont chercher partout. Et après, il y a des petits malins qui vont trouver petit à petit tout le monde, que si je veux trouver du passé simple, ça va être dans les contes. Du coup, on revisite ce qu'on a déjà vu par un autre biais, grâce à la bibliothèque, de se dire, ah ben ouais, c'est que dans celui-là je vais le trouver, mais non, là je vais pas le trouver dans le documentaire, le passé simple, ça n'a rien à voir. Et ça commence à prendre du sens. Et du coup, l'intérêt, c'est que c'est plus
moi la seule à donner les informations, les leçons et les références. Ils les trouvent aussi par eux-mêmes grâce aux différents coins de la classe, aux différents espaces. Donc là, c'est le coin bibliothèque qu'on trouve en maternelle, mais qu'on pourrait trouver en secondaire. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'histoire, ou si on a un prof d'histoire ou d'autres, se dire, on peut mettre des livres qui parlent de l'histoire des nombres, si on est en maths, de la numération, comment elle se traite dans tous les pays, et que quand les enfants ont un petit temps libre pour pouvoir aller voir, ils peuvent aller voir que les maths, c'est pas juste un truc qu'on traite dans la classe, que ça a aidé les hommes et les femmes jusque-là à s'organiser, à compter, à communiquer et à faire plein de choses en fait. Donc ce coin, quelle que soit la matière qu'on a, on peut faire ça. On peut toujours mettre un petit coin avec des ressources pour les élèves. Un autre coin ? Oui. On passe à quel point ? Alors le 13, c'est le coin travail assis. Donc dans la classe de maternelle, on les voit circuler parce qu'alors ils sont tout petits, ils ont vraiment besoin de bouger et on sait qu'on ne va pas leur imposer de rester assis toute la journée, c'est juste impossible. Du coup, c'est plutôt l'exceptionnel, le fait d'être assis à son bureau pour travailler. Ils travaillent tout le temps, mais ce travail sous forme assise, c'est plutôt exceptionnel. Et je trouvais ça intéressant de se poser la question et de se dire, et si à un moment donné, c'était les élèves eux-mêmes qui avaient besoin de se déplacer et qui se disaient, ben là, c'est mieux pour moi d'être assis face au tableau, par exemple, pour écrire. On est en train de réfléchir ensemble. Attends, je vais écrire ce que tu dis, parce qu'après, on va en faire une affiche, parce qu'après, on va en parler aux autres. Donc, il faut qu'on se pose. On a parlé en l'air de plein de choses, on a regardé plein de livres, mais maintenant, il faut qu'on se pose pour écrire. Et du coup, le fait de les laisser se réapproprier ce moment de travail et cette façon de travailler, en ayant un coin particulier assis, c'est quelque chose qu'on peut aussi prendre de la maternelle, se dire, et si, à des moments, ils pouvaient travailler autrement. Ils peuvent travailler, moi, dans la bibliothèque, par exemple, l'année dernière, il y avait des élèves qui adoraient travailler ensemble sur leur exposé ou sur quelque chose qu'ils préparaient en plus, et ils se mettaient dans la bibliothèque, ils adoraient ça. Et quand le corps est relâché parce qu'il n'a pas besoin d'être comme ça, c'est des enfants qui sont un peu piles, qui ont besoin de bouger, et bien du coup ils avaient moins d'efforts à faire et ils y arrivaient mieux, ils étaient plus concentrés sur le travail. Donc le fait d'avoir un coin qui est pour des modalités de travail qui est assis, qui est à part, ou qui est où on peut changer en fait, on peut changer les endroits où on travaille, ça c'est quelque chose qu'on peut prendre de la maternelle. Et vous justement, qu'en est-il ? Est-ce que vous avez un coin regroupement, un coin bibliothèque, par exemple comme Clélou qui nous dit que ses CE2 adorent la bibliothèque, comme toi, et aussi des jeux qui sont en fond de classe. Maëlène qui trouve ça également super, cette idée en élémentaire. Alors est-ce que Maëlène, ça veut dire que ça t'a donné l'idée pour le faire demain, à partir de la semaine prochaine ou très bientôt ? C'est une question qui nous intéresse, mais on va revenir un petit peu en arrière. On avait bien vu, Maestra, c'était dans la continuité de la discussion de tout à l'heure sur les classes regroupées. Est-ce que selon toi, on peut mettre en place un tutorat justement pour les autoriser à circuler ? Alors ça dépend ce que tu entends exactement pour les autoriser à circuler, je ne suis pas sûre de voir. Le tutorat c'est une chose, c'est de transférer des choses et qu'il y ait un tuteur et un tutoré, et qu'il y en ait un qui est plus avancé et qui va aider l'autre. Après je ne vois pas comment tu relis ça au fait de circuler, il faudrait que tu précises un petit peu. Mais après en fait c'est pareil, les systèmes d'organisation, le point commun c'est qu'il faut que l'organisation soit claire. Il faut aussi savoir qu'au départ, elle est un peu provisoire, c'est-à-dire que tu vas imaginer des règles par rapport à ce qui pourrait mal se passer et comment ça pourrait être détourné. C'est-à-dire que si par exemple tu te dis ils vont en profiter pour bavarder, ils vont pas se concentrer, ils vont faire du bruit, ils vont pas faire le travail, ben, tu vas mettre en place les règles qui vont faire que ça n'arrive pas. Donc par exemple, vous pouvez faire ça, mais déjà tu vérifies qu'ils ont bien compris la consigne, ça tous ensemble, et qu'ils savent ce qu'il faut faire. Un des moyens de s'en assurer, moi je fais une petite checklist et c'est la méthodologie, hein, c'est le deuxième pilier du socle, hein, des méthodes et des outils pour apprendre. Pour être sûr qu'ils ont fait l'exercice comme je le demandais, je leur dis qu'est-ce qui fera que ça c'est réussi à la fin. Donc à la fin, si j'ai essayé d'écrire un texte, c'est réussi si mon texte il parle de ce que j'ai dit, du bon sujet. S'il y a un début, un milieu, une fin. C'est réussi si... Je ne sais pas moi si
j'ai relu et j'ai essayé de voir si c'était cohérent. Donc on donne des critères très précis, comme ça on s'assure que ça marche et après du coup on peut en échange leur assurer de pouvoir bouger, de pouvoir être plus souple sur la configuration. Mais à chaque fois l'enjeu c'est si ça fonctionne. Et c'est-à-dire si ça ne fonctionne pas, on revient à une façon de se placer qui était plus classique et qui n'amenait pas de chahut. Mmh. Parce que quand on fait ça, en fait, on casse des codes. Des enfants qui ont l'habitude de toujours travailler d'une certaine manière face au tableau, pour eux, ça, c'est du travail. Du coup, si on leur propose autre chose, ils vont un peu se réveiller. Alors ça, c'est bien qu'ils se réveillent. Mais des fois, ça part un peu comme ça. Ils vont un peu profiter pour se dire « Ah, mais tiens, peut-être que je pourrais profiter pour pas trop travailler. » Donc la condition c'est si ça nous apporte à tous quelque chose. Si pour moi c'est facile de gérer la classe et si pour vous votre travail est meilleur. Et à partir du moment où on pose ça comme condition, on revient en arrière s'il y a besoin. Là c'était pas satisfaisant, j'ai regardé le travail que vous avez fait. Vous avez plus, et les premières fois ça arrive, hein, faut se le dire, mais pas tous les groupes. Quand on commence à faire des aménagements comme ça, il y a quelques groupes qui vont beaucoup jouer. On leur redonne une chance, on leur dit attention ici, il fallait faire 10 lancers de dés, par exemple 10 calculs et vous n'en avez fait qu'un. Et de toute façon, quand j'ai circulé, j'ai bien vu que vous parliez plutôt d'autre chose. Je suis revenue vous rappeler à l'ordre et vous n'en avez pas tenu compte. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour pouvoir avoir autant d'autonomie. Donc la prochaine fois, en particulier ceux qui n'ont pas réussi, je ne vous donnerai pas cette liberté. Et puis ici, il y a un autre groupe qui a très bien réussi et c'est génial de pouvoir leur offrir la liberté et d'être responsable de leur façon de travailler et de se dire, vous, du coup ça a marché, on continue comme ça. Allez là, le groupe qui n'avait pas réussi, on réessaye, je compte sur vous, vous êtes capable et sinon c'est dommage parce que vous n'allez pas pouvoir le refaire tout de suite, quoi. Et en fait, on va moduler au fur et à mesure. Le fait de se dire que ce n'est pas figé, déstresse, peut déstresser déjà vous, comme les élèves et comme chacun, alors maestra, effectivement, qui s'inquiète d'être débordé, mais tu vas te lancer, bon courage, mais on a aucune crainte sur ça. Puis tu peux faire un coin à la fois, un groupe à la fois aussi. T'es progressivement, pas obligé de commencer toute la classe. Groupe par groupe. Tu peux faire un exemple, le groupe des élèves que tu as repéré être les plus sages et les plus autonomes. Et tu leur dis, écoutez, on va tenter une expérience. Je vais proposer à quelques enfants au fur et à mesure de travailler d'une manière un peu différente. On va voir si ça se passe bien. Et au fur et à mesure, je réessayerai avec plusieurs groupes. Et tous ceux qui ont réussi, ça marchera. Mais tu mets en place, il y a un seul petit groupe qui a le droit de bouger, de se déplacer ou de travailler ailleurs. Et puis après, tu fais avec un autre et chacun attend son tour et sait qu'il y a cet enjeu. Et prend la responsabilité de ce qu'il fait. Et comme ça, toi, tu es rassuré, tu n'es pas débordé à tout faire en même temps. Tu peux y aller très progressivement. Et la question des classes partagées, des classes partagées entre deux enseignants. Tout à fait. C'est une vraie question, alors pratique en même temps, mais derrière qui rappelle à peut-on chacun avoir sa pédagogie, son aménagement de classe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que dans les commentaires des différents lives, etc., souvent ça revenait cette crainte, et si on a un binôme, et si on a la classe de 2 jours et demi par semaine, qu'est-ce qu'on fait? Ou si on est prof dans le secondaire. C'est le cas de Maëlène, en effet, qui va parler de la pré-rentrée demain avec son binôme sur cette réflexion-là et sur les coins dans la classe élémentaire. C'est ça. Et pareil, ceux qui sont en secondaire, qui arrivent pour 45-20 minutes dans la classe, dans la salle, et après vont changer et doivent partager avec tous les autres collègues. Vous, c'est pareil, l'avantage du fait d'avoir quelque chose de modulaire et de pouvoir impliquer les élèves dans le déménagement, si vous êtes tout seul à déménager toutes les tables, ça va prendre 3 heures. Si vous leur apprenez, comme je vous montre un peu dans le tuto, vous pouvez arriver à le faire en 2 minutes. Il y a un petit temps d'apprentissage, mais même sur un cours de 45 minutes quand on est prof, on peut dire aujourd'hui on se place comme ça parce qu'on va travailler comme ça, les enfants prennent en charge en fait, mettent la classe dans la bonne configuration et puis à 10 minutes de la fin, un quart d'heure au début pour s'assurer un peu de marge, ils remettent en place et résultat, vous disposez pendant le temps qui est le vôtre de la classe, l'espace est le vôtre complètement, vous êtes le responsable pédagogique de l'espace pendant le temps dans lequel vous l'êtes. Donc si par exemple, pareil, il y avait un commentaire, une jeune qui disait « mais si on n'est pas la responsable de la classe, comment on fait ?» en se disant « mais moi on m'a un peu imposé
l'aménagement de la classe, je ne vais pas pouvoir le changer puisqu'il est posé comme ça et si l'autre personne n'est pas d'accord. Oui, mais sauf que quand moi je suis dans la classe les jours où elle n'y est pas, même si elle n'est pas d'accord, moi je vais faire comme ça me convient. Alors, je ne vais pas pouvoir bouger tous les meubles, mais les tables, et surtout si je l'apprends à mes élèves, on peut le faire ensemble rapidement. On sait que le jour où je reviens, on met en place, et avant de quitter et de rendre la classe à l'autre collègue, on remet comme c'était. Et en plus, les enfants, pour eux, c'est très clair. Avec telle maîtresse, on apprend de telle manière, et la classe est de cette manière-là. Et enfin, c'est comme, voilà, les enfants, c'est très clair, hein, ils savent tout de suite ce qu'ils peuvent faire avec papa, ce qu'ils peuvent pas faire avec maman, ce qu'ils peuvent faire avec grand-père et pas avec grand-mère. Eux, ça les dérange pas, à partir du moment où les choses sont claires, c'est pas un obstacle, hein, en fait, il faut s'autoriser. En l'occurrence, par rapport au cas d'Apolline, c'est ce que tu recommanderais, qu'il y ait maîtresse supplémentaire et qu'il y a cette particularité d'avoir les élèves ponctuellement, donc bah, de donner son style de pédagogie, de l'expliciter. Ben voilà, aux élèves. Ouais, ça te permettra de retrouver une liberté sinon que tu n'avais pas en fait. Mmh. Il est tout à fait possible de le faire. Tout à fait. Et puis derrière, il y a une vraie question, on le voit à travers toutes vos interventions, c'est que pour des jeunes enseignants, que ce soit en binôme, dans des classes partagées, en maîtresse supplémentaire, le fait d'être jeune, il y a déjà soi-même être en confiance et puis à s'imposer face à des collègues dans une équipe pédagogique qui est clairement quelque chose qui n'est pas simple, j'imagine, dans un climat d'établissement. Bah, c'est pas simple, mais dans la mesure où on la rassure que quand ils reviendront, la classe sera comme ils ont besoin qu'elle soit, bah, ça va rassurer en disant, voilà, les prévenir et leur dire... Ben, moi j'ai envie d'essayer peut-être, j'avais vu cette configuration, j'ai envie d'essayer, donc je le ferai à ce moment-là et après je remettrai en place. C'est à vous de jauger aussi avec la personne en face, mais vous ne la dérangez pas dans sa façon de fonctionner, donc ça ne devrait pas poser problème. Mais je comprends qu'au départ, ça ne soit pas simple, puis vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Ici le message c'est plus vous dire, à un moment donné, quand on rentre dans la classe, il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées. Il y a des choses qu'on doit apprendre aux élèves, on ne choisit pas les programmes, on ne choisit pas les élèves, on ne choisit pas le nombre, on ne choisit pas leurs difficultés, on aimerait bien que ce soit tout facile et fluide. Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas, la salle, voilà, l'aménagement, ben, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, on est plus libre que ce qu'on croit. Et déjà de le savoir c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite, vous n'êtes pas obligé de commencer le premier jour, vous avez toute l'année pour voir. Et puis même, ce qui sera intéressant, comme le disait, je l'expliquais au début, je crois que c'est Maestra, avec les évaluations diagnostiques, à chaque fois que vous allez corriger des choses et évaluer, vous allez comprendre de plus en plus, de manière de plus en plus fine, les besoins de vos élèves, leurs difficultés, et puis donnez-vous du temps pour apprendre à les connaître et connaître leur personnalité. Parce qu'il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont timides et qui ne vont pas oser vous dire. Il y en a qui, en apparence, vont beaucoup parler. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'ils interviennent beaucoup à l'oral, mais que quand vous corrigez les cahiers, ce n'est pas terrible, en fait, ce qui est proposé. Ça ne correspond pas. Ils sont à l'aise sur les toutes premières questions un peu faciles, mais dès qu'il s'agit d'aller plus loin, pas forcément. Et du coup, vous avez besoin d'avoir toutes ces informations. Et ça ne se détermine pas le premier jour. Moi, quand je vous parle de tout ça, c'est les essais que j'ai fait les années d'avant, les choses qui ont marché et que j'essaye. Mais avec l'ancienneté que j'ai, quand j'ai commencé l'année dernière, même il y a 2 ans, j'ai commencé avec des îlots, etc. Ils bavardaient trop, je leur ai dit, je les ai prévenus plusieurs fois, je leur ai dit c'est à notre service pour qu'on travaille mieux. Si ça ne marche pas, on change. Et j'ai changé, j'ai reséparé toutes les tables. Histoire qu'ils puissent se rendre compte que c'est agréable, qu'ils ont tout intérêt à faire en sorte et ils sont responsables du fait qu'on peut se rassembler et travailler autrement. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation et ce n'est pas la peine de le faire tout de suite, apprenez à les connaître avant aussi. Et derrière tout cela, il y a la question de se rassurer et de dire encore une fois que ce n'est pas figé, que ça progresse, que la salle peut, son aménagement peut et même potentiellement doit se moduler au fur et à mesure de vos apprentissages sur les élèves, sur votre connaissance des élèves, et que donc cette progressivité, qui peut correspondre aussi à votre ancienneté, à votre expérience, cette progressivité, elle est normale, voire potentiellement même conseillée dans la mise en place des coins au fur et à mesure de votre connaissance de ces groupes d'élèves. Donc je trouve que c'est un très bon conseil, plutôt que de se dire, il faut que dès lundi,
j'arrive à, je veux arriver à la classe en îlot, donc il faut que lundi, je sois en îlot, mais y aller tranquillement, se déstresser sur tout ça. Non, et puis ne pas se mettre en danger, c'est-à-dire si vous n'êtes pas encore à l'aise, observez. Voilà, c'est vraiment observer ce qui se passe, observer les marges de manœuvre que vous avez, comment ils interagissent, ce qui se passe, etc., avant de modifier les choses. Parce que l'avantage, c'est que quand c'est d'une certaine manière et qu'ils ont eu l'habitude de travailler les années d'avant comme ça, pour eux, c'est normal. Donc, ils ne savent pas ce que vous pouvez proposer d'autre. Et donc, ils vont être dans une posture un peu automatique. Je sors mon stylo, je me mets à écrire, je fais. C'est du travail, je sais. Quand vous cassez ce code, il faut être assez à l'aise parce qu'il y a un petit moment de flottement. Et si vous n'êtes pas prête et vous n'êtes pas stable parce que vous dites « il faut absolument que je fasse ça » mais vous ne vous sentez pas bien, c'est trop tôt. Et après, c'est pas grave, hein, c'est réversible. Vous pouvez dire bon, « j'ai essayé, on a essayé, mais en fait, ça ne marche pas, on revient comme avant. Hein, » voilà. Et j'allais dire aussi, c'est en fonction, c'est progressif, ça bouge dans l'année, mais ça bouge aussi en fonction des matières et des choses qu'on a à apprendre. Quand c'est quelque chose, par exemple, si on fait des sciences qu'on manipule et qu'on fait, ça va être plus commode et qu'on n'a pas aussi du matériel pour chaque élève ou par deux, ça va être commode de les mettre ensemble et de créer ponctuellement. Par exemple, vous, pendant la récréation ou le midi, vous installez les premières fois, c'est vous qui installez les tables avec, je ne sais pas moi, 6 tables. Et à chaque table, il y a un matériel différent ou une expérience différente à faire, par exemple, et ils tourneront. C'est-à-dire que la première séance, tout le monde fera ça. La deuxième, ils se mettront à une table différente, ils feront l'expérience numéro 2. La troisième séance, l'expérience numéro 3. Vous voyez que c'est pas aussi tout. On ne doit pas forcément tout bouger tout de suite dans l'instant et que tout soit instable. Ça peut être très très progressif aussi. Parfait, alors je vois là pour le coup une question de maestra qui dépasse de loin la question de l'aménagement de la classe, qui est une vraie question sur programme versus adaptation de sa pédagogie, de sa gestion de classe avec le stress de ne pas terminer le programme. Alors il faut savoir que le programme c'est des cycles de 3 ans. Hein, donc terminé, on n'a pas terminé en CM1 par exemple qui est le début du cycle 3, ce qui devra être fait en 6e parce qu'on sait que c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que ça a été écrit sur les appuis des chercheurs, des rythmes chronobiologiques par rapport à la maturité de chacun aussi qui n'est pas la même, hein, c'est pas parce qu'ils ont le même âge, et souvent ils sont nés à plusieurs mois d'écart, hein, entre le premier, les premiers qui sont nés en janvier et les derniers en décembre, il y a presque un an d'écart, hein, ils sont pourtant en CM1 tous les deux. Donc vous voyez que le programme, c'est dire, c'est un cap, c'est une direction. Il faut aller par là et il y a des compétences à leur faire acquérir. Donc ça, c'est important et c'est pas figé. Après, il y a finir, c'est-à-dire est-ce que l'idée, c'est de finir toute seule ou est-ce que ça soit que nos élèves finissent le programme, enfin, en tout cas, avancent sur le programme. Parce que c'est pas la même chose du coup. Est-ce qu'il s'agit de faire la classe et de dérouler toutes les séances ou de savoir si à chaque fois on a emmené les élèves. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose. Sachez que dans les programmes, dans les instructions officielles, etc., et j'écrirai un article là-dessus parce que c'est super important et très libérateur, nulle part il est écrit qu'il faut finir les programmes, à aucun moment. Il est écrit que les programmations, les progressions qui sont données, c'est à titre indicatif, c'est au service des équipes pour organiser l'enseignement, pour aider les enfants à faire. Et ce truc de finir le programme, on se met une pression en se disant c'est important, demandez à tous les parents, il n'y en a pas un seul qui a envie que vous ayez fini le programme sans son enfant. Voilà, il faut être bien clair là-dessus. Hein. Et donc ça ne nous retarde pas, je vais même dire le contraire, grâce à ça, quand j'adapte ici et que j'ai deux élèves qui réussissent à comprendre très vite quelque chose, ou j'ai fait par exemple, quand je parle, là on parlait d'histoire, mais le fait d'avoir une frise chronologique et plein de choses et que les enfants puissent se déplacer, aller la voir, la consulter, la comprendre à chaque occasion, ils vont l'intégrer beaucoup mieux et finalement beaucoup plus vite que quand il y a juste une leçon. Après, ils font l'évaluation et 2 mois après, ils ont oublié. Donc, est-ce que c'est finir le programme s'ils ont oublié aussi ce qu'on a fait? Voilà, faut se rassurer par rapport à ça. Et juste, alors dernier élément, pareil, un inspecteur, une inspectrice, à partir du moment où vous faites ce qui est dans les programmes et vous tenez compte de vos élèves, vous en félicite, ça fait partie des choses qu'on exige de vous dans les compétences professionnelles d'un professeur. C'est écrit noir sur blanc. Donc on ne vous félicitera pas de laisser tomber vos élèves pour dire que vous avez fini. Enfin, soyez bien clair en inspection, pareil, ça aussi c'est félicité.
J'espère que Maestra, ça t'a éclairé, rassuré sur cette question. Merci à Pauline et Kélou pour vos partages. À Pauline, qui réfléchit à une organisation en U avec ta problématique dont tu nous parlais tout à l'heure, à Pauline, d'être maîtresse supplémentaire. Une organisation en U pour que tous les élèves se voient, s'entendent et puissent s'écouter et sachent identifier qui a besoin d'aide. Donc ça, c'est super. En l'accompagnant, évidemment, ça peut être super. Et puis selon le nombre selon la place que tu as dans ta classe, des fois il y en a qui font un U comme ça et qui mettent juste quelques tables au milieu. Hein. Moi je sais que même c'était au lycée ou à la fac, je sais plus. On avait souvent des classes comme ça permet quand même de se voir beaucoup. Et puis ne réfléchissez pas à vide. Il y a aussi vraiment des super ressources là sur Être Prof. C'est-à-dire que nous, ce soir, l'idée c'est de réfléchir avec vous, de se poser des questions, de commencer à s'y préparer. Mais après, il y a plein de documents, il y a des études qui montrent l'intérêt et les effets de l'aménagement de la classe. Et il y a aussi des façons de faire, des modèles, des idées très précises dans les ressources qu'on vous prépare et que Nathalie vous met dans le chat. Vous allez voir, là on discute, mais ne réfléchissez pas non plus à vide et ne réinventez pas tout. Il y a des choses formidables qui ont été faites. Appuyez-vous aussi sur ce qui a été fait, hein, vraiment. Et Clélou, elle imagine des bureaux individuels sans casier avec des meubles pour ranger les affaires individuelles. Donc les tables sont modulables et n'appartiennent à personne. Et bien super, ça c'est sur la slide aussi. Justement, on peut montrer tout à fait par rapport à ça, sur les photos aussi pareil que j'ai piquées de matériel pour parler du mobilier. Donc le mobilier c'est la 15, c'est dire... En fait, le mobilier aussi était au service de la classe et de l'autonomie des élèves. Donc là, tu vois, Clélo, c'est exactement ce que tu soulèves. C'est-à-dire que si mes tables, elles sont légères et il n'y a pas le casier et il y a un meuble à côté, donc ça, c'est la slide suivante, la 16, que mes rangements sont adaptés, alors adaptés de deux manières. Il y a le premier, c'est que là, par exemple, tu enlèves la case, donc les tables peuvent être bougées facilement et rapidement par les élèves, c'est pas lourd, ça, c'est super. Et la deuxième façon d'adapter, c'est que par exemple sur cette photo, ce qu'on peut voir, ça c'est typiquement quand on regarde le catalogue du mobilier des maternelles, ils ont des trucs incroyables. Ça serait bien qu'il y en ait pour les plus grands aussi. En secondaire, j'ai vu ça moi dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. J'ai pas encore vu dans les catalogues où on peut commander le mobilier, mais à partir du moment où il est souple et il permet aux élèves de se déplacer sans déranger la classe avec des choses des fois roulettes ou avec des trucs un peu gonflables où ils peuvent un peu gigoter sans que ça fasse de bruit parce qu'ils ont besoin, ça c'est super. Et sur ce meuble là, ce que je vous montrais, c'est qu'on a des boîtes de rangement et du coup on peut confier à chaque élève d'avoir fini, que ce soit les jeux, ils rangent, ils savent que c'est rangé et c'est réussi et l'activité est finie quand c'est remis dans la boîte et la boîte dans le casier. Parce que vous n'allez pas non plus, pensez-y, vous n'allez pas non plus tout ranger la classe 10 heures une fois qu'ils sont partis. Et c'est pas le travail de l'ADSEM et c'est pas votre travail. Et il faut aussi apprendre aux enfants à être responsables de ce qu'ils font. L'activité, c'est pas le petit moment où je joue, c'est tout. C'est j'ai compris si je peux le sortir tout seul ou pas, je suis les règles de la classe. Et je sors le matériel, je m'en sers, je range, j'en prends soin. C'est notre matériel pour l'année. Donc on leur apprend aussi beaucoup de choses transversales, quoi. Donc le choix du mobilier va être très important. Et une deuxième qu'on peut montrer, là c'est pareil, c'est un casier pour les élèves, mais moi j'en avais un aussi pour des élèves plus grands, où on peut ranger les cahiers ou les feuilles, et ça permet de différer, donc vous voyez, c'est vraiment dans la façon de faire la classe, si j'ai pas ce meuble, je peux pas faire ça. Ça permet que chacun ait fini au moment où il a fini. Donc par exemple, s'il a fini son travail, il peut aller le mettre dans ce casier, et moi je sais que le soir, je le récupère. Et je récupère tous les travaux qui ont été faits. C'est pas forcément quand c'est un petit travail d'application en autonomie. C'est pas forcément le moment dans la classe d'interrompre tout ce qu'on fait pour qu'il vienne me voir et me tende sa feuille. Tandis que si j'ai un meuble qui fait ça, chaque enfant peut aller mettre quand il a fini son travail. Ou, dans l'autre sens, ce qui est génial, c'est que moi, je peux mettre dans ce meuble un travail qui est adapté à chacun. Donc par exemple, je peux mettre un travail de CM1 ou un travail de CM2, ou si je constate que dans mes CM2, il y en a un ou deux qui est très très en retard en maths par exemple, je vais lui proposer des fiches un peu plus faciles, des exercices un peu qui reviennent sur les bases. Et ce qui est génial, c'est que je ne lui mets pas la honte devant tout le monde parce que c'est glissé dans son casier personnellement, personne ne le voit, c'est un outil de communication
entre l'enseignant et chacun des élèves. Voilà, après on peut imaginer pour des thèmes différents, pour des moments différents, mais si je n'ai pas ce casier, ben, je ne peux pas faire ça. Donc vraiment, le meuble, il est vraiment au service de ce que je peux proposer aussi de plus comme chose aux élèves, quoi. C'est génial. C'est génial, toutes ces astuces, et merci de nous avoir partagé ça. Ça recoupe avec vos choix de classe, vos choix qui se feront dans la durée, tranquillement, progressivement. Je vois qu'il est 22h10, même si on a un peu commencé en retard, qu'il est temps de se faire un récap. On a abordé beaucoup de sujets. S'il y a encore des questions ou des partages de conseils, de choix faits pour la rentrée ou d'avant, n'hésitez pas. On est dans les 5 dernières minutes. Est-ce que tu peux, quand même, en même temps que les gens partagent, nous donner un peu le récap des points clés sur ce sujet? Ouais. Alors la première chose, c'est de s'autoriser. Voilà. S'autoriser, ne pas subir l'environnement, ne pas subir les meubles, l'aménagement et tout ce qui se passe dans la classe. Vous avez du choix, vous pouvez envisager et faire bouger ou les élèves ou les meubles. La deuxième chose, j'ai envie de dire, s'approprier l'espace. Et à faire en sorte que les élèves aussi s'approprient l'espace, deviennent acteurs, s'en servent, deviennent plus autonomes et proposent des choses et respectent les règles de fonctionnement. La troisième chose, j'ai envie de dire, pensez à des choses modulaires. C'est-à-dire, vous allez mettre les meubles et l'espace au service de vos besoins. Moi, par exemple, je reprends cet exemple. Dans le gymnase, j'ai besoin que les élèves, surtout le gymnase, je pense à ça parce que l'art plastique, il va y avoir beaucoup d'excitation à faire plein de choses, ils ne vont plus m'écouter du tout, c'est clair quoi. Donc j'ai besoin de montrer que dans l'espace, c'est le coin où on s'écoute, où on échange, où on fait un bilan. Et avec le cerceau, j'ai vu tout à l'heure, tu avais fait ça, super, et est-ce que tu pourrais expliquer aux autres pourquoi, comment ça marche, est-ce que tu peux montrer ? Ça, s'ils sont tous éparpillés partout, je ne peux pas le faire en fait. Donc il faut absolument que j'ai ce coin regroupement, qui soit symbolique en dehors de la classe ou qui soit dans la classe, que ça puisse être modulable. Quoi. Vraiment, ça c'est important. Et puis, j'ai envie de dire doucement. Voilà, faites-le doucement, très progressivement. C'est super d'être là ce soir, de vous poser la question, d'avoir envie de changer les choses. Mais c'est comme n'importe quel métier, quoi. Ça s'apprend au fur et à mesure. Et plus vous connaîtrez vos élèves et leurs besoins, comment ils fonctionnent, et ça, il faut plusieurs semaines pour ça, plus vous aurez des idées de vous-même, en fait, hein, de ce que vous pouvez changer. Donc allez-y tout doucement. Ça peut être commencer dans un mois par, à un moment donné, quand on rentrera de récréation, donc je me laisse du temps, soit le matin, soit après le midi, la classe sera disposée autrement, et c'est moi qui aurai commencé à le faire. Et sur chaque table, il y aura une activité ou un livre différent ou une image à étudier en groupe et qui sera différente. Et du coup, en groupe ou pas en groupe d'ailleurs, je peux donner 4 feuilles et ils sont à 4 là à travailler dans cet endroit-là. Ils ne travaillent pas ensemble, c'est à moi de voir. Je commence tout petit, toujours un pas après l'autre. Et si ça marche bien, je recommence et je vais plus loin. Hein. Mais surtout, vous ne mettez pas en danger parce que le but, c'est de mieux gérer la classe et que ça soit plus facile. Et que les apprentissages soient vraiment dans l'activité, quoi, que ça soit super efficace. C'est pas de vous mettre en danger ou de vous dégoûter. Hein. Donc préservez-vous et voyez comment y aller progressivement. Voilà, c'est les points que j'aurais envie de vous donner ce soir. Merci Sarah. Maëlène va être, comme beaucoup d'entre vous, va découvrir sa classe demain. Donc surprise et puis le fait de se rassurer et de se dire, et là je réponds aussi à Maestra évidemment, qui est en même temps et dans un partage de bonheur et de gros stress à l'heure de faire sa première rentrée, la boule au ventre mais plein de bonheur, donc ça c'est normal. On est tous avec vous, merci. Si vous avez des derniers partages et une toute dernière question, on va la prendre dans cette dernière minute. Mille merci à toi Sarah pour tous ces conseils. Merci à tout le monde, toutes et tous, Maëlène, Maestra, Cléou, Apolline et vous tous et toutes qui nous avez rejoints pour ce live sur l'aménagement de la classe. Le fait de la rentrée, on va continuer à essayer de la vivre, de la partager ensemble, de partager entre certains conseils
pour vous donner le prochain rendez-vous de nos lives, qui sera un rendez-vous exceptionnel, la journée exceptionnelle de lundi, je ne parle pas de l'après-rentrée demain, mais la journée exceptionnelle ce lundi, dispositif un peu exceptionnel côté être prof, on essaye d'être ensemble, de s'entraider, de partager, donc cette journée exceptionnelle, ça sera à partir de 7h du matin, donc j'ai bien dit exceptionnel, parce qu'on ne le fera pas tous les jours à 7h du matin, un petit live pour faire un petit décrochage pour vous, donner un petit peu de boost, répondre à une éventuelle question de dernière minute avec Nathalie qui sera là avec vous pour ce live matinal de 7h du matin. Pendant toute la journée, on vous donnera toutes les infos sur Être Prof, sur le kit de survie, sur Facebook et sur la page Être Prof, sur un dispositif de hotline pendant la journée, un numéro de téléphone que vous pourrez appeler sur cette journée du 4 de 7h jusqu'à 22h sans aucun souci, une question, un gros stress. Pas de soucis, ça sera pour cette journée du 4, on sera ensemble. Et le soir, à la même heure que tout à l'heure, c'est-à-dire à 21h, on fait un débrief, on se retrouve tranquillement sur Être Prof. Vous arrivez à 21h30, vous arrivez avec le thé, vous arrivez avec une infusion, vous venez partager un stress, un bonheur, des questions, on le fait ensemble. Il y a des profs qui font leur première entrée qui viendront ici sur ce canapé. Alors, ils sont en Ile-de-France, ils ne sont pas à la Martinique, si je crois que Maestra est en Martinique, mais ils seront ici physiquement. D'autres, vous pourrez le partager à distance. En tout cas, on fera une journée spéciale. Lundi, on vous y convie et en tout cas, on est ensemble. Voilà, pour Maestra, il sera 1h du matin. En effet, 6h de moins en Martinique. Donc, ça sera 1h du matin, mais en tout cas, on sera avec toi. Merci à vous. Merci, Clélou, pour ces messages. Et puis, si c'est prêt à rentrer demain, n'oubliez pas, sur Être Prof, de partager, d'en parler. Vous verrez encore plein de collègues, donc vous pouvez parler autour de vous du site, de s'inscrire et partager tout ça. On vient de commencer, on est très heureux d'être avec vous. On vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur Être Prof et bon courage.